Yes, salut la gang, je me présente, Michel Fleury, je suis pro-staff pour Avec Bellemare sans mort. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une capsule sur un leurre que j'affectionne particulièrement, le Spinner Bait Deluxe. On en prend un, on vous montre ça. Alors ici, nous avons le Spinner Bait Deluxe Fire Tiger. Alors une des particularités du Spinner Bait Avec Bellemare sans mort, c'est que l'anneau de raccord est fermé. Ça fait en sorte que votre Spinner Bait va toujours rester à la verticale dans l'eau. On aura une belle présentation pour le poisson. Il y en a des Spinner Bait que l'anneau est ouvert, donc souvent les mérillons vont aller s'accoter sur le bout des tiges et éventuellement notre Spinner Bait va revenir tout croche. Donc c'est un dispositif qui est très efficace. Ensuite de ça, Stéphane nous a mis un émerillon à billes au bout de la tige. Ce qui fait en sorte que on peut interchanger nos cuillères au bout. Donc ici, il est monté sur un tandem de cuillères Colorado Blade. Deux cuillères comme ça, ça va faire l'effet d'imiter un petit banc de poisson. Donc par temps, mettons brumeux ou bon, pas ensoleillé ou bien mettons un eau qui est saumâtre, ça va faire très bien la job parce que ça va faire beaucoup de vibrations dans l'eau. Par contre, si on a une journée qui est claire et que le poisson est moins actif un peu à la vibration, on peut toujours l'interchanger pour mettre une Willow Leaf Blade, donc une feuille de saule. J'en ai pas pour l'instant, mais j'en ai une qui s'apparente un peu à ça. Donc, c'est pas compliqué. On vient de l'accrocher sur notre émerillon. On referme l'émerillon. Et voilà, on a un tout nouveau Spinner Bait. Donc, ça va faire en sorte qu'il va avoir beaucoup plus d'éclat lumineux. Donc, je vais remettre la Colorado Blade. Ou sinon, on peut tout simplement prendre d'autres couleurs. Comme ça ici, ou blanc. Il n'y a pas de problème. On peut s'amuser longtemps avec ça. Donc, on referme le mérillon. Donc, on a ici la présentation complète. On peut regarder aussi la couleur de la jupe. Vous voyez la couleur de la jupe avec les éclats scintillants. C'est magnifique. Elle est bien attachée. Et on fait notre pervers. On va regarder sous la jupe pour voir l'hameçon qui a été installé. Vous voyez l'hameçon? Ça, c'est du lourd. C'est du gros. Ça, c'est pour le mosqui, le brochet ou même la chiguin. Puis je vous dirais même que cet été, j'ai pris un énorme doré là-dessus. C'était assez surprenant.